Expo Langue a eu lieu cette année du 5 au 7 février à la Porte de Versailles. Donc c'est la 33e édition. Expo Langue a été créée il y a donc plus d'une trentaine d'années dans le but de promouvoir l'apprentissage des langues étrangères et les échanges culturels. Donc je pense que ce salon a tout son sens. On parle de mondialisation, de globalisation. Donc voilà, c'est d'autant plus important. C'est un peu ce sur quoi on a essayé d'axer le salon cette année, sur l'appelant donc oser le monde, sur cet aspect de mobilité, qu'elle soit mobilité étudiante ou mobilité professionnelle. Le salon Expo Langue, c'était au départ un salon pour présenter à tous les jeunes qui voulaient apprendre des langues étrangères les possibilités. Comment apprendre vite une deuxième, une troisième langue étrangère. Et puis on a vu qu'au fil des années, la demande évoluait. Les jeunes ont toujours besoin d'apprendre des langues, mais de plus en plus, les adultes, au cours de leur vie professionnelle, ont besoin d'avoir une nouvelle langue parce qu'ils partent pour une nouvelle aventure et de nouveaux pays. Donc la logique de la langue étrangère est venue croiser la logique de l'expatriation. L'Institut du monde arabe participe à Expo Langue depuis déjà de nombreuses années. Le centre de langue informe le public d'Expo Langue sur tout ce qui est nouveauté en matière de pédagogie, l'enseignement de l'arabe. Et en même temps, il informe tout ce qui se passe à l'enseignement d'arabe, les activités qui concernent les concerts, les musiques, le musée. C'est la moindre des choses que l'Institut du monde arabe qui se bat pour l'enseignement et l'apprentissage de l'arabe soit présent. J'en suis très heureux. Il est important que tous ceux qui se passionnent pour les langues, et en particulier pour la langue arabe, puissent trouver ici pendant 2 jours et demi des interlocuteurs qui leur expliquent comment, s'ils le souhaitent, on peut découvrir cette magnifique langue arabe. On a présenté une lecture bilingue de la poésie arabe où le public était assez ravi de nous avoir écoutés et ils sont restés jusqu'au bout. Je suis la religion de l'amour, partout où se dirigent ces montures. Le bilan était positif. On a réussi à donner plusieurs cours d'arabe. On a fait une conférence de presse sur la nouvelle méthode qui s'appelle Ahdaf par les auteurs qui l'ont présentée. Chaque année, c'est un plaisir renouvelé parce que c'est jamais le même public, c'est jamais les mêmes priorités, c'est jamais les mêmes curiosités. Donc c'est très varié et divers le public exposant. L'Institut du monde arabe, c'est un lieu dans Paris où on a de la culture, des expositions fréquentes, un musée, où on a du travail, on peut apprendre l'arabe, on peut préparer des voyages ou des expatriations dans des pays de langue arabe. Et puis il y a du plaisir. Il y a un restaurant, il y a la fête, il y a un bâtiment magnifique au sommet duquel on voit Paris d'une manière sublime. Donc l'Institut du monde arabe a tout pour faire de l'année qui vient une année studieuse et une année festive. Et on vous dira inshallah l'année prochaine, sanarakum huna fi hadha al ma'rad, ma'rad al lughat fi 2017 inshallah. مع السلامة.